Coucou, je suis en train de faire mon montage vidéo. C'était juste pour vous dire que cette vidéo va être très longue et que du coup je la fais en deux parties. Donc vous aurez une première partie maintenant, tout de suite là, ce que vous êtes en train de regarder, et ensuite donc le samedi matin à 9h comme d'habitude, et je vais mettre la suite pour le dimanche matin à 9h. Voilà, donc je fais ma petite présentation juste quelques minutes plus tard, donc je vous laisse avec la vidéo. Pour faire le seitan, je prends en général cette farine chez Carrefour. Donc c'est la marque directement de Carrefour, c'est de la farine T45 et elle est à 12 grammes de protéines. Elle est vraiment pas chère. Après on peut acheter bien sûr d'autres farines un peu plus, comment dire, avec des marques hein, en fait, et, mais du coup vous allez la payer plus cher, alors que celle-ci avec 12 grammes de protéines, ça fait largement l'affaire. Donc je vais ouvrir mon paquet, je vais mettre directement mon kilo de farine à l'intérieur. Alors j'ai un peu de farine aussi qui traîne un peu de partout là, parce que tout à l'heure, juste avant de partir emmener Cléophée à l'école, j'ai fait du pain cocotte qui est en train de reposer, qui est en train de lever, donc dans le four là, dans mon four éteint avec un petit peu d'eau, donc c'est en train de lever. Là j'ai mis mon kilo de farine et je vais rajouter l'eau. Alors je suis la recette de l'herboriste et Raphaëlle de Mûre et Noisettes. Donc là je vais rajouter de l'eau, je vais mettre 550 g d'eau. Je fais un peu un mix de leurs deux recettes. Et ça fait maintenant bah, quelques temps, hein, plus d'un an que j'avais, un an et demi je pense ça doit faire, que je fais le seitan, puisque Raphaël en avait parlé sur sa chaîne. Et du coup j'ai trouvé ça génial. J'en ai mis un peu plus. Donc peut-être on en met un peu, voilà. J'avais trouvé ça vraiment génial et elle en avait parlé donc sur sa chaîne, et elle faisait à l'époque la recette de l'herboriste. Je vous mettrai leurs deux chaînes aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là ce que je fais, juste en ayant mis l'eau et la farine, ben on va remuer. Hein. On va remuer. J'ai pris une cuillère pour remuer comme ça directement, et après je ferai avec les mains. Ensuite je vais pétrir, faire une boule, et on laissera reposer la boule de pâte pendant une heure, histoire que le gluten fasse un peu son effet et que la pâte soit un peu élastique. Je viens d'aller chercher le pain que j'ai fait tout à l'heure avant de partir. Chercher Cléophée, maintenant je vais le mettre en forme. Alors vous savez que je fais aussi le pain au levain, bien sûr. Et que je préfère d'ailleurs hein, le pain au levain, hein, c'est vraiment mon pain préféré. Mais là je ne pouvais pas en faire parce qu'il faut que je me rachète de la farine T65 bio. C'est la farine avec laquelle je fais mon levain. Et j'en ai plus, et bon bah là j'ai le temps hein, encore, hein, je pourrais en acheter même d'ici la fin de la semaine, je pense que ça ira. Hein. Là, le vin, je l'ai rafraîchi il y a quelques jours, donc ça peut rester encore largement quelques jours. Mais bon, je préfère quand même le pain au levain. Bon alors là, vu que je pouvais pas, et que j'avais pas envie de faire du pain de mie, et que j'avais quand même envie de faire un pain, je me suis dit que j'allais faire le pain cocotte, qui est un très bon pain aussi, hein. C'est très bon. Hein. Ah, ça c'est mon four qui me dit que le pain cocotte, enfin que le pain, la pousse a fini, et j'ai oublié de l'enlever. Là je fais un peu la même chose que je fais quand je fais mon pain au levain, c'est-à-dire que je remets un peu par-dessus, en essayant d'enlever quand même l'air, ce que je ne fais pas avec le pain au levain, mais là c'est pas le même pain. Donc là, on peut casser les bulles, ça va revenir, hein, puisque là, c'est avec de la levure de boulanger. Enfin, de la levure de boulanger sèche, celle que j'utilise tout le temps. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça ici. Je vais prendre mon papier cuisson. Ça, c'est un papier cuisson que j'avais acheté sur Amazon. Je ne sais pas si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment super parce que déjà, il est bien épais. Hein, parce que j'en avais acheté un autre chez Lidl. C'est le même style, mais beaucoup plus fin, vraiment rien à voir. Hein. Alors celui-là, il est un peu plus cher, il y en a plusieurs, il y a plusieurs feuilles dans le lot, mais ça n'a rien à voir. Et là, ça passe au four à 250 degrés, ce que ne fait pas le papier cuisson qu'on achète régulièrement. Je vais mettre directement là. Le papier cuisson qu'on achète dans les grandes surfaces ne va pas jusqu'à 250 degrés. Et moi, dans ma recette... j'aime bien saisir vraiment le pain, donc je fais les premières minutes à 250 degrés. Donc j'ai pris ce papier, mais c'est bien parce qu'on peut le réutiliser vraiment plein de fois. Là j'essaye de serrer un petit peu, je vais faire le plus serré possible. La corne à pâtisserie aussi, hein, je l'avais pris sur Amazon, elle est vraiment trop bien. En plastique comme ça, en plastique très dur. Ok, donc là c'est bon. Voilà, c'est parti pour la deuxième pousse. Je viens d'aller prendre ma cocotte en fonte. C'est dans cette cocotte que je vais cuire le pain en levain et le pain cocotte. Donc je vais la mettre... Oui, Rune, je vais te faire sortir 2 secondes. Je la mets au four et je vais faire préchauffer mon four à 250 degrés. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais ma présentation un petit peu en retard puisque j'étais vraiment pressée par le temps. Je venais juste de rentrer de l'école, d'emmener Cléophée à l'école. Elle commençait à 9h ce matin, donc je suis rentrée à peu près vers 8h30. 8h30 non, je dis n'importe quoi, 8h45, 50, on part à 8h30. Et donc j'étais vraiment pressée pour 1. Faire le 7 ans, pour 2. Continuer mon pain cocotte. Et je voulais vous montrer. Donc là j'ai le four qui est en train de sonner. Ça veut dire que c'est prêt, ma cocotte elle est dans le four donc hein, vous avez vu je l'ai mise tout à l'heure. Et je vais mettre maintenant le pain à l'intérieur, je vais le grigner un tout petit peu et ensuite je vais le faire chauffer. Voilà, je voulais juste vous faire une petite présentation pour vous dire. Aujourd'hui il fait un temps exécrable, vraiment il fait pas beau du tout. D'ailleurs j'espère que la lumière ça ira pour le film. Et puis ben voilà, donc j'ai un peu quelques petits trucs à ranger. Je vais préparer le repas pour ce soir. Donc je pense que je vais faire mon plat à l'iranienne que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Et là je vais le twister un petit peu. Je vais rajouter d'autres légumes secs à l'intérieur. Vous allez voir, donc je vais vous montrer parce que vraiment c'est un plat qui est trop bon. Et peut-être d'ailleurs que je mettrai aussi un petit peu de seitan à l'intérieur. Peut-être que je vais faire un mix de viande hachée et seitan. Bon, je mets pas trop de seitan d'un coup parce que sinon après Nico il va râler parce que lui voilà il préfère la viande et tout, mais voilà moi j'ai envie de faire un petit mix des deux. D'ailleurs je ne lui dirai pas, on verra s'il va s'en rendre compte, je vous le dirai quand je monterai la vidéo. Mais pourquoi pas mettre une partie seitan, une partie steak haché, ça me fait économiser aussi du steak haché, hein, voilà, hein, on n'est jamais trop à l'abri de faire des petites économies, surtout que le seitan ça revient vraiment pas cher. Vous avez 1 kg de farine et vous prenez de l'eau et c'est fini, ensuite vous l'aromatisez avec des bouillons, des choses comme ça, mais ce sont des produits qu'on a souvent à l'intérieur de la maison, par exemple de la sauce soja, moi j'en ai toujours, voilà, des petites herbes dans le jardin, etc. Et puis donc voilà, on va passer la journée comme ça. Je vous montrerai ce que je vais manger à midi. Donc hier j'avais fait du houmous, je pense que j'en prendrai à midi avec le pain cocotte que je vais faire cuire. Et la dernière fois que je vous ai fait une vidéo de ménage, j'avais vraiment rien dans le frigo, vraiment rien. Là depuis j'ai refait les courses, bon j'ai pas filmé hein, par contre, hein. Mais j'ai refait mes courses et j'ai des légumes, j'ai pas mal de légumes. Il y a quelques jours j'ai fait même de la soupe de légumes, donc j'en ai encore, hein. Oui il m'en reste encore, donc je m'en servirai même cet après-midi d'ailleurs dans ma recette. Hier j'ai fait du houmous donc, qui est trop bon, vraiment hyper bon. Donc j'en mangeais à midi, après j'ai d'autres légumes, j'ai des courgettes, j'ai du chou atlas bien sûr comme d'habitude. J'ai un potimarron, donc je n'ai pas fait encore mais que je pense que je ferai peut-être ces jours-ci. Qu'est-ce que j'ai? Bon voilà, j'ai pas mal de choses, donc je vous montrerai tout ça. Et bah là c'est parti, donc là je vais faire le pain, je vais mettre mon pain cocotte, enfin mon pain dans la cocotte pour le faire cuire. Donc, comme je vous disais, j'espère que vous voyez bien, hein, parce que là je vois rien du tout. Bon ben vous voyez, il a trop gonflé. Moi je pense que cette fois-ci il va être loupé, comme quoi hein, on peut pas réussir toujours tout à chaque fois. Ouais, bon là clairement il va être complètement loupé. J'ai trop attendu, j'ai bien trop attendu pour le faire. J'ai même limite envie de le reformer. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais le reformer et le refaire. Alors on va tester, hein. Ça va être une première. Hein. Parce que là clairement il va être loupé. Je le vois direct. Allez. On va réessayer. On va essayer de rattraper, ça. Bon bah écoutez, c'est comme s'il y avait une deuxième levée. Hein. On va essayer de le reformer. D'ailleurs on entend les petites bulles qui éclatent. Hop, on va mettre un peu de farine là. Voilà, histoire de ne soit pas collé. Et j'ai même limite envie d'essayer de le mettre directement dans ma cocotte là. Écoutez, foutu pour foutu, je pense que je vais faire ça. Je vais sortir ma cocotte. Et je vais essayer de faire ça. Voilà, on va juste grigner comme ça et on va mettre directement dans la cocotte. Alors là c'est bouillant, il faut bien faire attention. Hop, c'est parti. C'est parti. Vous voyez, c'est la première fois que je fais comme ça. Là j'ai vu que le pain il allait être vraiment pas beau. Donc ben, de temps en temps c'est bien de tester des nouvelles choses, de voir si on peut sauver les meubles. Là je vais nettoyer ma cuve du KitchenAid, pardon. Et je vais ranger tout ça en attendant de continuer mon seitan. Donc là le pain il est au four et je l'ai mis 20 minutes. Je viens de faire une bouteille de kéfir de fruits. Donc si jamais, c'est la première fois que je le fais hein, en fait. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Je me suis dit si jamais c'est loupé, ben on verra. En tout cas j'ai goûté, c'est très très bon. Donc ben, on verra bien. Là je vais attendre quelques heures. Donc je l'ai mise ici. J'ai nettoyé un petit peu là. J'ai gardé ça parce que ben, j'attends mon pain cocotte qui sera cuit tout à l'heure. Là je vais finir de nettoyer ce que j'ai fait, mon petit bazar, et ensuite bah là c'est quelle heure il est 10h07. Je pense que je vais commencer à préparer mon repas de ce soir, donc je vais commencer à éplucher les oignons, tout ça, faire à préparer, donc je vais vous montrer ça. Bon, tout d'abord mon four vient de sonner, je vais enlever le couvercle, de la cocotte. Oh bah franchement ça va hein. Je vais le faire cuire encore un peu. Oh bah je suis contente, il n'est pas loupé. Bon après on verra quand je vais le découper, mais alors je vais le remettre 5 minutes mais je vais... Là j'avais le feu à 250, enfin le four à 250. Je vais baisser à 200. Je vais laisser encore ouais, 5 minutes, peut-être un peu plus. Allez 7 minutes. Non 5 minutes, il est plus petit. il est plus petit. Donc on va mettre 5 minutes et on verra ce que ça donne. Je vous montre le pain. Oh, il y a pire, hein, pour un pain loupé, franchement. Je le trouve chouette, bidon. Je pense qu'il revient de loin celui-là, hein. S'il était vraiment, vraiment loupé tout à l'heure. Voilà, je vous le montre vite fait comme ça, sans me brûler les doigts. Et je vais le mettre à reposer sur une grille. Je vais le laisser reposer comme ça jusqu'à complet refroidissement. Bon, ce qui est bien quand on met la cocotte en fonte et le four, c'est que ça réchauffe bien la maison et que même s'il fait un temps pourri dehors, on n'a pas le soleil pour réchauffer nos baies vitrées. Franchement, il fait très très bon dans la maison. Et voilà, ça fait 1 heure que j'ai préparé le seitan, la pâte plutôt. On va reprendre notre boule de pâte. Et maintenant, on va la laver. Alors ça peut être un peu bizarre, hein, dit comme ça. On va mettre de l'eau dedans. Ah, et bon, en général on en met de partout. Ça me fait penser que j'ai pas mis mon tablier, ce qui est une grosse erreur. Donc bien sûr, avec les mains bien propres, on va laver le seitan comme ça. On va le pétrir un peu dans l'eau. On va comme ça presser pour faire sortir tout l'amidon. Et on va le laver comme ça plusieurs fois. Donc en général je le fais 7 fois à peu près, 7 à 8 fois. Ça fait un liquide, on dirait comme du lait. Et en fait tout ça c'est l'amidon. Et petit à petit la pâte va se rétrécir. Elle risque même de se déliter, mais bon c'est pas grave, hein. Et ce qu'il va rester, ça va être juste la protéine qui se trouve dans la farine, à la base. Donc, on enlève l'eau. Alors je crois que cette eau, on peut la garder pour en faire des choses, mais sincèrement, ça m'intéresse pas trop de garder juste du glucide et de l'amidon. Et voilà, je vais faire ça jusqu'à ce que l'eau qui est blanchie ici, jusqu'à ce qu'elle devienne translucide et vraiment avec peu de blanc. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Voyez, je vous l'ai montré, hein, je vous le remonte, ce que ça donne à la fin, ce qu'il reste. Oups, pardon, j'ai été mal cadrée. Donc ça c'est ce qui reste de la boule de pâte. Et je vais la laisser reposer comme ça une demi-heure je crois, je sais plus, une heure ou une demi-heure ou une heure, enfin pas trop d'importance, avant de la préparer. Pour faire ma recette, donc j'ai besoin d'ail et d'oignons, donc je vais les éplucher. Donc là j'ai pris 6 gousses d'ail. Après c'est possible qu'il y en ait qui soient un petit peu abîmés, mais bon on verra. Et j'ai pris 2 gros oignons comme ça. Et ce que je vais faire, puisque ma cocotte en fonte, elle est dans le fond là-bas, elle est encore chaude, puisque j'ai fait le pain juste avant, bah, je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse quand même. Et ensuite bah, je vais commencer à faire revenir mes oignons dedans avec l'ail. Et je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce matin, puisque bah, j'ai le seitan donc là qui est en train de reposer, mais que je vais continuer tout à l'heure. Donc voilà, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Et là donc dans un premier temps déjà je vais faire mes oignons, l'ail, ce sera déjà une bonne chose de faite. Et j'étais en train de réfléchir aussi que là-bas aussi j'ai des fruits qui sont en train un petit peu de s'abîmer, j'ai des poires que j'ai achetées il y a au moins, franchement je peux vous dire au moins je pense 2-3 semaines que j'ai acheté ces poires et je les avais achetées pour faire un gâteau. Et elles étaient mais dures, archi dures, et on a acheté des pommes et donc j'avais mis 2 pommes dedans et du coup là ça a explosé, elles sont en train de mûrir de fou. Donc les pommes c'est vraiment génial quand vous voulez faire mûrir un fruit qui peut mûrir juste après, hein, après la cueillette bien sûr. Si votre fruit il mûrit pas après la cueillette ça sert à rien. Mais en l'occurrence les pommes franchement ça marche hyper bien. Donc je pense que je vais faire peut-être ou un 4/4 ou un gâteau yaourt, enfin voilà, enfin, je sais pas, je sais pas trop encore, mais un gâteau en tout cas où je mettrai mes pommes à l'intérieur. Peut-être que je les ferai un petit peu caraméliser avant pour que ce soit un petit peu plus gourmand, enfin on verra bien. Voilà, je sais pas trop encore, donc on verra ça tout à l'heure. Je suis en train de pleurer, ces oignons, c'est l'horreur. Ça fait trop pleurer. Bon bah ça y est, j'ai fait mes 2 oignons. Vous voyez, mon saladier il est quand même grand, hein. Ils sont gros les oignons. Maintenant je vais les faire revenir à petit feu dans ma cocotte avec un peu d'huile d'olive. Et pendant ce temps, je vais préparer l'ail. Ça fait maintenant 20 minutes, non pas 20 minutes, une demi-heure, que je suis en train de faire tremper le sétan. Je vous montre comment il est. Et on va le sortir de là. On va enlever l'eau. J'ai sorti ma passoire et je vais le laisser reposer encore une vingtaine de minutes. Donc je le rince. Voilà, je le rince et je vais le laisser poser une vingtaine de minutes comme ça dans la passoire. Je viens de sortir ma casserole, je l'ai remplie d'eau et je vais mettre un peu de sauce soja à l'intérieur. C'est pour préparer mon bouillon pour tout à l'heure, pour mettre le sétan. Donc je mets... Voilà, bonne rasade de sauce soja. Et je pense que je vais rajouter peut-être... Ouais non, je vais juste mettre ça. De la sauce soja, juste de la sauce soja. Voilà, ça sera juste un bouillon à la sauce soja. Et en fait, j'étais en train de réfléchir qu'il faut que je fasse griller mon sétan tout à l'heure. Mais je vais le faire griller dans ma cocotte, hein, puisqu'elle est prête. Ce sera nickel. Donc je vais juste enlever les oignons qui sont en train de rissoler tranquillement. Et je vais mettre mon sétan à griller tout à l'heure, donc je vous montrerai, et ensuite je les mettrai dans le bouillon et je remettrai après mes oignons à l'intérieur et je continuerai ma recette comme je l'avais prévu à la base. Voilà au bout d'une vingtaine de minutes à quoi ressemble mon sétan. Et maintenant... donc vous voyez tout ce qui reste. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le préparer avant de le faire griller. Donc comme je vous ai expliqué là je vais enlever les oignons et je vais le faire griller dans ma cocotte. Et ensuite je vais le plonger dans le bouillon bien chaud. Bon, je voulais faire des tortillons en fait, il faut... twister, enfin si vous voulez regarder, je vous renverrai à la vidéo de Mûre et Noisettes et de l'herboriste. Bon là je suis pas spécialement arrivée, hein. Ça fait un gros truc mais ça fait pas spécialement des tortillons. Mais c'est pas grave, en fait je vais le faire directement griller comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive au fond. Voilà, et je vais le faire griller directement, hop, mettre le feu un peu plus fort mais il ne faut pas que ça crame non plus. Enfin, j'ai jamais testé encore dans cette directement dans la fonte comme ça. J'espère que ça va marcher. En attendant, je vais faire réchauffer, même bouillir mon bouillon qui se trouve juste à côté, là. Et le but, ça va être de le faire griller des deux côtés. Voilà, ça accroche un petit peu, mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas laissé assez. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Que j'ai bien grillé mes côtés et que vous voyez à côté mon bouillon est en train de bouillir, je vais récupérer, alors déjà je vais rebaisser mon feu là, hop, même beaucoup, je l'avais bien monté, et je vais le mettre directement dans le bouillon. Je vais même arrêter mon feu là un tout petit peu parce que ça c'est vraiment trop chaud, et ensuite je remettrai mes oignons à l'intérieur. Vous voyez là il est en train de bouillir. Je vais baisser le feu maintenant, on va le mettre même à très petit feu. Il faut que ça fasse des légers bouillons, mais vraiment très légers, et on va le laisser comme ça. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de prendre une fourchette et de le piquer. Comme ça le bouillon pénètre encore mieux à l'intérieur. Alors dans le bouillon on peut mettre vraiment plein de choses. On peut mettre par exemple du curry, on peut mettre des herbes de Provence. Si vous mettez des herbes de Provence avec la sauce soja, ça va vraiment avoir une odeur de poulet rôti. C'est bluffant. Donc ce que je fais, c'est que je le pique pour que le bouillon pénètre bien à l'intérieur. Et on va le faire cuire comme ça environ 1 heure. Voilà, donc là c'est sur 4, je l'ai mis sur 4. Je couvre, il faut vraiment que je m'achète un couvercle adapté parce que ça perce, enfin ça fuit de tous les côtés, c'est vraiment la cata. Bref, c'est pas grave. Donc là, je vais le couvrir. On va même le faire comme ça pour voir s'il se couvre un petit peu mieux. Et on va baisser à 3. Bon, pendant ce temps, ici, je vais remettre mon feu à 5, non même 4 ici. Et je vais remettre mes oignons à l'intérieur. Comme ça, ça va finir de rissoler tranquillement. Et on va couvrir. Bon, je viens de me couper 2 tranches de pain, je sais pas si je vais manger les 2, mais bon, moi j'en ai coupé 2, mais c'était en fait, c'était surtout pour vous montrer que finalement il est pas si loupé que ça, hein. Il est bien même. Pour manger pour midi, j'ai pris une part plutôt, de quiche au poireau que j'ai faite hier. Et j'ai sorti, pour aller avec mon pain quand même, hein, pour tester mon pain, du houmous que j'ai fait hier. Donc j'ai hâte de tester d'ailleurs le petit combo des 2. Bon, je vais prendre ça et ça. Et comme légumes, je pense que je vais me faire une petite assiette aussi avec du chou atlas, hein, comme j'ai l'habitude, parce que j'ai plus de salade. Ça, j'ai plus de salade, c'est sûr. Donc voilà ma petite tartine et voilà mon repas pour midi. Et ah oui, ben, j'ai des yaourts en dessert au cas où si jamais j'ai encore faim. Mais ça, j'ai trop hâte de le manger aussi. J'adore la quiche au poireau, c'est trop bon. Ça y est, ça fait 1 heure. Bon, j'avais mis ça pour que l'eau puisse tomber là-dessus. Hop, vous voyez comme ça a gonflé en 1 heure, c'est un truc de fou quand même. C'est devenu bien gros. Donc là c'est bon, je vais arrêter. Oh là là, ça sent trop bon. Ça a vraiment une odeur de poulet rôti, je trouve, moi, à chaque fois. Je pense que c'est la sauce soja qui fait ça, mélangée avec le seitan. Donc on va arrêter tout ça. Ah oui, donc je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, mais je l'ai pas filmé, mais j'ai rajouté, quand j'ai arrêté le feu, j'avais rajouté l'ail. Ça, on va laisser comme ça. Ça, je vais le retirer. Et voilà, ça y est, le beau rôti de seitan. C'est vraiment génial, je trouve, ce qu'on arrive à faire juste avec de la farine. Avoir un gros morceau comme ça, bourré de protéines, qui remplace largement la viande. Donc c'est vraiment top. Donc là je vais le faire, je vais le laisser refroidir, je vais le laisser reposer un peu comme ça. Moi en attendant, je pense que je vais aller lire un peu. Je vais aller me reposer un peu, lire un peu, et je reprendrai la cuisine cet après-midi. Et oui, à 15h20, je dois être aussi au collège pour aller chercher Cléophée.